Thank you.
Thank you.
Je vais essayer de vous parler, de vous dire quelques mots. Ce soir, cet après-midi, vous avez pu voir une partie de l'Hongrie, une partie des Hongrois qui sont venus vous chanter en hongrois et ils sont actuellement, ils font partie de la Roumanie. Donc, c'est vraiment la preuve que la culture persiste, que les traditions et l'ethnie persistent. Et je suis contente de vous avoir donné un petit bout de cette culture, de les faire venir jusqu'ici. D'habitude, nous allons jusqu'à la Hongrie, jusqu'à la Transylvanie. Nous les aidons rien qu'en y apportant notre pensée, notre cœur. Et maintenant, ça me fait plaisir parce qu'ils vous ont montré ce qu'ils savent faire. Je suis trop émue, je ne sais pas quoi vous dire, mais nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que quelqu'un de la direction du troupe a décédé hier. Nous n'avons pas pu faire la prestation d'hier soir. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est repris. Et ils nous ont montré qu'est-ce qu'ils savent faire. Ça, j'aimerais bien que vous leur disiez, en applaudissant ce que vous avez su faire. Merci à Dolly, au Père Rory qui nous aide souvent quand on va là-bas, et à tous qui ont déjà aidé jusqu'ici. J'aimerais bien que de temps en temps vous essayiez de donner votre cœur un petit bout d'espoir, même si vous signez un papier et qu'on leur apporte ça, c'est énorme. Alors, la note positive quand même dans la journée d'aujourd'hui, c'est que nous avons deux jeunes femmes qui sont enceintes et qui ont dansé. Et on voit merci, ça veut dire que c'est nous. Alors, et si tous sont venus vous le dire. Je veux dire qu'un très grand merci aussi bien à nos amis Transylvanie que aux autres, car ce qui m'a frappé cet après-midi, bien sûr, c'était leur chance, tout ce que leur sentiment profond exprimait. Malheureusement, toutes les paroles, même moi-même, qui comprend bien la langue hongroise, n'est pas. Par contre, les propres discours de speaker étaient extraordinaires et je regrette vraiment que je n'ai pas pu traduire parce que je n'avais pas le texte.
je le ferais volontiers, mais malheureusement, c'était plein de saveur, c'était plein de sagesse, c'était plein d'amitié à notre égard. Donc, je leur dis vraiment un très grand merci en votre nom, et en leur nom, je dis aussi un très très grand merci. D'autre part, je vous ai oublié peut-être de dire qu'à la sortie, il y a les objets folkloriques que nous avions apportés, qui pourront vous intéresser et qui les aideraient aussi dans leur expédition. Car, bien sûr, Montfermeil a fait un très grand accueil à cette troupe, mais il est sûr aussi que, vu les événements d'hier et avant-hier, bien, leur plan était terriblement brouillé et leur programme futur aussi est incertain.